Oh là là, il y a un petit côté là. Oh là là, celle-là, c'est la OG. Je vous l'ai déjà montré. J'ai mis un petit logo Nike là. Oh là là, là. J'adore quand on voit ça dans le OG. Il y a un OG bleu qui est sorti, mais j'ai pas pu. Hein. C'est trop là pour moi. J'en ai vraiment trop. C'est un peu compliqué d'avoir une centaine de paires et de pas pouvoir les mettre. C'est très très dur. Oh là là là. Moi, elle me fait trop penser à un Malabar cette chaussure. Le Malabar de notre enfance, vous vous souvenez là? Le bicouleur là. Oh là 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 là. Je me rappelais même pas de cette couleur OG, moi. C'est incroyable, magnifique. Oh là là. En plus, ce qui est trop bien, c'est qu'il y a un petit côté doré sur le devant là. Ça donne trop bien, quoi. Fou, le dégradé, il est fou. Ah, celle-là, je vais la saigner. Faut que je la saigne. Allez. On a celle-là aussi, la Grady, comme je vous ai dit. Toujours sa bicouleur là. Et là, je vous montrerai la prochaine fois. J'ai enfin mis la main sur une nouvelle Grady. Bah, d'ailleurs, je pense qu'ils en ont fait que deux des Grady. Peut-être plus, mais moi, les seules que je connais, c'est la Grady 95 et la Grady TN. Oh là 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 là. Canon de ouf. Incroyable. Ça. Ce match trop bien. Oh là 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 là. Ça va trop bien ensemble. Aïe 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 aïe. J'avais pas pensé à les mélanger ceux-là. Oh purée. Oh là 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 là. On nous a sorti aussi une pépite là ces derniers temps, la TN Spider-Man. Elle est pas mal du tout, hein. Wow. Alors faut que je vois si je le laisse ici, ça, ou je le mets dans la TN3 Iron Man. On verra. Allez, on enlève. La Grady, c'est une masterclass. Hein. En plus, elle commence à dater celle-là aussi. Hein. 2018. Oh purée. Au prix que je l'ai trouvé, c'est pas catholique du tout. C'est incroyable. C'est insensé. Bon, t'inquiète, hein, je vais te les ramener. Bon, on est sur de la OG, les copains. Chocolate, je crois, c'est ça? Non. Non. La scarabée. Scarabée plutôt. Et ouais, un petit peu chocolate. Pour rappel, je l'ai acheté à mon fils qui craquait sur ce modèle-là. T'as encore le truc, c'est bon? Hop là. Fort, hein? Doucement, doucement, l'abîme pas. Par contre, elle a tendance à vite se plier. T'as remarqué ça, toi, dans ta paire? Ça se plie bien. Ça reste une sorte de cuir un peu simili-cuir et du coup ça s'abîme vite. Hein. Voilà, toujours ces effets. Toujours ces effets de fou là. Oh là 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 là. Waouh. On voit du vert, du diesel, l'essence, tout ce que vous voulez. Incroyable ce modèle. OG. OG, OG Time. Voilà, on était sur du OG Time là, c'était magnifique. J'attends avec impatience les trois masterclass de 2024, qui n'est autre que la Tiger, la Blue et la Violette. Et je pense que je craquerai que sur deux parce que c'est quand même un sacré budget. La 9-3, toujours là, toujours présente. T'as des petites alvéoles enlevées là, vas-y, hop là. Toujours aussi belle celle-là. Qu'est-ce que je kiffe la porter dans le 9-3. Incroyable cette paire. En plus avec mon beau petit lassage là. Eh, respecte ta paire là toi. Enfile bien. Faut pas que ça plie ici. Faut respecter vos paires les gosses. Team France. Oh là 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 là. Tiens, bah on va rester dans la Team France. On va vous montrer aussi celle-ci. Tadam! La Team Équipe de France. Tadam! Masterclass celle-là aussi. Hein. Je pensais pas qu'elle prendrait autant de valeur. Allez, c'est dommage qu'on parti. n'ait pas 3 étoiles. Hein? Ouais, dommage, ils ont pas fait. Non, bah non, 2 étoiles. Ouais, si on avait gagné 3 étoiles, elle aurait pris. Bon, alors, elle a pris une valeur de malade manteau. Mais peut-être qu'ils nous la chopperont, hein, la prochaine coupe. Hein. T'imagines?
T'as la paire de l'équipe de France. Elle prend de la valeur, hein, c'est direct, hein, c'est sûr. Incroyable. Oh, les matières, tout est beau sur cette paire. Il y a eu beaucoup de contrefaçons, malheureusement. Donc, je vous dis, faites bien attention. Et elles sont grossières, surtout au niveau du 9-3, c'est très très mal fait. Et puis les barbelés, pareil, hein. Enfin barbelés. C'est plus du grillage, on dira. Ouais, du grillage de foot, d'un synthé ou autre. Ouais, nos différences. Oh là là, et l'autre côté, c'est quoi? Nos différences. Nos différences nous unissent. Voilà. Ouais, et puis le côté doré là, c'est magnifique. Magnifique. Voyons, j'ai l'impression que j'ai des paires qui commencent à jaunir. Hein. J'espère que c'est pas le cas. J'ai l'impression qu'il y a des bulles d'air à l'intérieur qui commencent à jaunir. Wow. On est sur quoi maintenant? On est sur la trilogie, donc avec la 9-3. On a la Berlin. Tadam! La masterclass que tout le monde s'arrache. Que personne n'arrive à choper à un prix abordable. Mais c'est la vie. Pour la petite anecdote, même ma fille l'a acheté. Je lui ai offert, elle la voulait. C'est la meilleure, elle dit. Il y a des couleurs, c'est trop de couleurs dans une seule paire. C'est magique. Je pense que celle-là aussi, elle va prendre une valeur inestimable. Incroyable. Ça fait toujours un effet, c'est incroyable. Alors pour la petite anecdote, j'ai changé les lacets parce que les lacets originaux, ils étaient un petit peu durs au niveau des... Donc on pouvait plus trop les bouger comme on voulait. Donc je me suis dit, bah, je vais mettre des lacets secs et puis voilà, ça passe. Nickel. J'espère qu'on va s'en sortir pour les machins. Ouais, les pelles. C'est une des meilleures, celle-là, dans la trilogie. Incroyable. Bah, bientôt, on a fini. On a enfin la Brixton qu'on vous a montré tout à l'heure avec la... Bah, avec la Grady. Et je m'étais amusé à mettre un petit mousqueton comme ça. Je trouvais ça très joli. Allez, courage, il en manque... Plus que deux, même pas. C'est la dernière à montrer et on a fini. On remercie à Ketchup Mayo là. Ah non, il n'y a pas de mayo. Avec des frites. Ketchup frites. Doucement là! C'est pas bien de mettre ces chaussures comme ça. Et je me suis fait un petit kiff. J'ai mis des beaux petits lacets là. Voilà. Mais je crois que dans l'autre. Attendez, je vais vous montrer un petit détail. Ouais, j'ai acheté ça, c'est pas mal aussi. Ça peut remplacer votre lacet OG. Ça peut être sympa. Voilà. Je trouvais ça original. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça se vend chez Nike. Et puis du coup, c'est très lourd, c'est du métal. Je trouve que ça fait bien le rappel OG des lacets. Il manque juste le petit côté rouge et c'est bon. Voilà, une très belle paire qui est sous-cotée. Je comprends pas. La Brixton, voilà, elle s'arrache pas. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment un beau modèle. Avec une simili crocodile là. Je comprends pas. Peut-être qu'avec le temps, les gens changeront d'avis. Bah, je pense vous avoir fait kiffer. Hein. Et je voudrais aussi vous montrer un petit coup de cœur que ma femme a acheté et que j'adore. C'est la Dunk Low. Vaudou, voilà, très joli modèle, je pourrais pas vous l'essayer, mais incroyable comme modèle. Très très mignon, très girly, avec plein de petits détails intéressants. Regardez, quand on retourne, on a Vaudou derrière. Les souches sont à l'envers, il y a des trucs qui sont dépareillés, c'est vraiment fun. Hein. Incroyable. Par contre, il y a beaucoup de fake. Hein. Alors, faut faire très attention. Hein. Même dans ces modèles-là, on a beaucoup, beaucoup de fake.
Bon, bah voilà. Je pense vous avoir fait kiffer. On reviendra pour les dernières aussi que j'ai eues. J'en ai eu quelques-unes qui sont en nettoyage. Et voilà. Donc 29 minutes, c'est quand même pas mal. On a fait le taf. J'espère que ça vous a plu. Et puis bah n'hésitez pas à regarder avec des pop-corn la vidéo de 3 heures avec toutes mes sneakers. C'est un régal de partager sa passion. Voilà. Allez, je vous dis à très vite.